ETFM, the best vibes. L'idée pour TNTV, c'est d'élever le niveau de l'ensemble en fait, du personnel en langue française, parce qu'évidemment, longtemps après l'école, on oublie un petit peu, et nous, on est dans des métiers de l'écrit, en fait, parce qu'on est une télévision, mais on est aussi un site web, on communique par écrit très souvent, et de toute façon, tous nos textes sont écrits avant d'être dits à la télévision. Donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'élever notre niveau, et même si on part, certains partent d'assez bas, d'autres partent de plutôt haut, mais c'est pas... l'intérêt, c'est que tout le monde peut progresser, c'est ça que j'aime bien avec Voltaire, c'est que c'est des exercices en ligne et qu'on peut tous avoir une bonne marge de progression, peut-être gagner 20 ou 30% de niveau, quel que soit le niveau de base. Moi, ce que je retiens, c'est que l'ensemble des participants, ils gagnent quelque chose. Si on arrive avec un niveau plutôt certificat d'études, niveau de collège, ben, on va finalement faire pas mal de progrès, arriver peut-être jusqu'au niveau lycée, en français, en conjugaison, en orthographe, avec des petits réflexes, des petits trucs, des astuces. Surtout si on n'a pas été finalement très attentif ou si on n'était pas très scolaire, eh ben, ça va quand même nous servir parce qu'on va être plutôt dans le jeu. C'est ça qui est intéressant avec la formation Voltaire, c'est qu'on est en interaction avec l'ordinateur. Le logiciel s'adapte à notre niveau, il détecte là où on a des failles et il nous explique de manière assez simple sur quoi on peut progresser. Et si on a un niveau plus intéressant, souvent c'est un peu par instinct, c'est-à-dire qu'on a beaucoup lu par exemple, et on va, dans les règles qu'on connaît pas bien, on va comprendre comment fonctionne la langue. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est presque un petit plaisir intellectuel. On était 32 à TNTV, on était la moitié du personnel à être volontaire. C'était une formation qui était proposée de manière gratuite évidemment aux salariés. Nous on paye la CCSM, mais pour les salariés c'est gratuit. Et donc sur la base du volontariat, tous ceux qui ont voulu le faire, donc la moitié du personnel à peu près, a fait la formation. Alors certains ne l'ont pas fait en entier, mais la moitié du personnel a passé la certification. ETFM, the best vibes.